Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver, malgré encore les contraintes que nous devons subir. Vous avez bien appliqué, je pense que vous avez tellement bien entendu les informations qui nous ont été données, que vous avez bien appliqué les contraintes, le masque, le gel, la distanciation, un banc sur deux, et mettre en gros deux sièges entre deux personnes, sauf comme en reprenant la formule du ministre des cultes, sauf si ce sont des entités familiales. C'est une entité familiale, vous voyez, vous pouvez être côte à côte. En tout cas, heureux de vous retrouver. Vous le savez, la semaine dernière, nous avons divisé les messes en deux pour essayer de respecter plus ou moins une jauge qui était quasiment inapplicable. Aujourd'hui, en respectant ce qui nous est donné, nous pouvons l'appliquer convenablement dans chaque lieu de culte. Alors, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour cette célébration de ce deuxième dimanche de l'Avent. Peuple de Dieu, voici que le Seigneur va venir pour sauver tous les hommes. Le Seigneur fera retentir sa parole pour la joie de votre cœur. Nous sommes heureux d'accueillir Aristide, séminariste en deuxième année, qui a été confiné lui aussi au séminaire depuis un mois et demi, donc il avait envie de sortir. C'est un petit peu la pression de la cocotte minute qui était à son maximum. Alors, heureux de l'accueillir. Nous nous préparons à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, en pitié de nous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout, voici le fruit de son travail avec lui.
et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers paroissiens, ces derniers temps, nous avons un peu perdu l'habitude d'entendre en direct l'Évangile. Beaucoup d'entre vous l'ont sans doute entendu à travers la chaîne KTO, à travers la chaîne de France 2, ou peut-être même sur les réseaux sociaux. Et voilà, que depuis le week-end dernier, nous sommes invités de nouveau à réentendre la parole de Dieu en direct, comme on dirait aujourd'hui, en présentiel, même si ce mot est assez horrible. Chaque jour, nous ne recevons en ce moment pas beaucoup de bonnes nouvelles dans les médias. Et il essaie de nous accabler, de parler de cette crise sanitaire qui, depuis quasiment le mois de janvier cette année déjà, nous parle de ce Covid-19. N'y aurait-il pas finalement une place à la bonne nouvelle à entendre en ce début d'avant, en cette deuxième semaine du mois de décembre, de ce deuxième dimanche d'avant? Pour nous rappeler que cet évangile de saint Marc, que nous disons au début de cette année liturgique, s'ouvre sur les mots commençant par « commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Et ceux qui n'ont pas de prière en église ou de magnificat, de paroles et prières, « commencement de l'évangile de Jésus, virgule, Christ, virgule, Fils de Dieu ». C'est intéressant de se dire que Jésus-Christ, il n'y a pas de petit degré, il y a simplement une virgule, pour nous dire que c'est vraiment aussi une autre appellation. Alors, chers amis, commençons. Commençons par nous mettre en route, tout simplement à faire du neuf, à créer du neuf, malgré la difficulté de ce temps. Et nous pourrons dès lors transformer notre propre vie. Et pour cela, il nous faut tout d'abord transformer chacun et chacune d'entre nous, mettre notre cœur au diapason de celui de Dieu. Nous savons que commencer n'est pas toujours facile. Apprendre des nouveautés, mon cher Aristide, tu le sais, nous en avons discuté cet après-midi, n'est pas facile. Et apprendre et à se modifier et à se bonifier n'est pas non plus facile. Nous savons qu'il est difficile parfois d'emprunter des routes qui nous paraissent simples, qui sont finalement parfois tortueuses. Plein de passages tortueux dans des terres arides, comme dit le prophète Isaïe. Commencer, c'est toujours prendre un risque, se lancer, parce que peut-être trop souvent, nous sommes dans des habitus, nous sommes dans des habitudes, nous sommes dans un rituel, une ritournelle presque. Et il faut casser, accepter de casser cela, de marcher vers l'inconnu. Accepter de laisser son cœur s'ouvrir à d'autres choses que un univers familier, à une habitude, à une tranquillité. Quand Jésus commence à proclamer la bonne nouvelle,
il ne sait pas à quoi il s'engage. Peut-être certains vous pouvez me dire, oui, mais il le sait parce qu'il est le Fils de Dieu. Oui, mais il ne le sait pas parce qu'il est vraiment homme. Il le sait peut-être parce qu'il est le Fils de Dieu, mais il ne le sait pas non plus parce qu'il est vraiment homme. Et lorsqu'il s'engage avec ses apôtres à découvrir et à évangéliser les chemins sur les chemins, eh bien, il ne sait pas jusqu'où cela va le mener. La route qu'il prend, nous le savons aujourd'hui, nous, parce que nous avons l'histoire avec nous, ne sera pas pour lui de tout repos. Car la route qu'il prend est sans nul doute aride et montagneuse, pleine de ravins et de passages tortueux. Nous le savons dès aujourd'hui, il sera sur la butte du Golgotha où sera plantée la croix, et l'évangéliste Marc nous dévoile tout au long de son évangile le vrai visage de ce Jésus, Christ, de ce Jésus Messie. Ce n'est pas un Messie puissant et fort, mais humble et fraternel. Ce n'est pas un Messie armé en guerre, mais un Messie désarmé et pacifique. Ainsi, Dieu se donne-t-il à voir sur le visage défiguré et souffrant d'un homme en croix, son Fils, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est bien là le commencement d'une bonne nouvelle. Nous pourrions dire que nous sommes un petit peu fous, les chrétiens, d'accepter que la bonne nouvelle, c'est de voir mourir un homme sur une croix. C'est aussi cela. C'est aussi cela que d'accepter que cette bonne nouvelle est toujours neuve pour chacun et chacune d'entre nous. Et c'est ce que nous célébrons à chaque Eucharistie, lorsque le prêtre annonce le kérigme à chaque Eucharistie, à chaque dimanche. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, peut-être nous n'y faisons plus attention, mais chaque fois que nous célébrons la messe, nous annonçons la mort de Jésus. Nous proclamons la mort de Jésus et certes, nous célébrons sa résurrection. Cette bonne nouvelle de salut ne cessera d'être proclamée tous les jours et jusqu'à la fin des temps, mais en faire, mais que faire en attendant? Il nous faut bien, comme nous dit l'évangéliste, veiller. L'apôtre Pierre nous dit comment, en étant patient et de le vivre, et de vivre le commencement de la bonne nouvelle en nos vies. Nous devons veiller en nous préparant à mener une vie digne du salut qui nous est offert. Une vie de justice devant Dieu et devant les autres. Il n'y a pas de petites actions pour aplanir la route caillouteuse que nous pouvons prendre. Le moindre coup de pelle du plus faible ouvrier est utile et nécessaire. Jean-Baptiste, dans le désert, proclamait un baptême de conversion pour le pardon de la fragilité de notre condition humaine. Le désert, nous le savons tous, parce que nous avons fait du catéchisme, le désert, c'est l'expérience du peuple de Dieu en exil à Babylone, qui ne voyait plus Dieu. Le désert, c'est aussi l'absence de l'humanité, en quelque sorte. Et aujourd'hui encore, pour nous, le désert, nos égarements nous empêchent de voir Dieu dans le désert de nos vies. Parce que peut-être trop souvent, nous sommes enfermés sans nous rendre compte que le Seigneur peut être présent. Mais le désert, c'est aussi, parce que toute chose est positive, c'est aussi un lieu de silence, de paix, de sérénité. D'ailleurs, lorsqu'on part en retraite, lorsqu'on veut prendre quelques jours, ne dit-on pas « je vais au désert », ou « je pars en retraite », me mettre dans le silence, dans la paix. Chers amis, la prise de conscience de ce que nous sommes, notre besoin de conversion, notre désir de changer la réalité, la nécessité d'y participer, nous permet de rentrer pleinement dans ce temps de l'Avent qui commence, dans ce temps de désert auquel nous sommes appelés. Dans quelques semaines, dans cette crèche, comme dans toutes les crèches du monde entier, viendra l'enfant Dieu, viendra l'enfant roi, viendra le prince, on l'appelle Emmanuel, celui qui viendra remplir le désert de son humanité. Celui qui fuira avec son papa et sa maman au désert pour fuir l'humanité du roi Hérode. Celui qui, quelques années plus tard, 30 ans plus tard, affrontera le malheur au désert. Celui qui prendra avec ses apôtres quelques jours présents au désert, plus particulièrement au mont Tabor. Bref, le désert est pour le chrétien quelque chose de fort, quelque chose d'important. N'oublions pas, chers amis, d'être fidèles au Christ, lui qui
qui va partir, qui sera présent au désert. N'oublions pas que notre vie doit aussi, plus particulièrement, prendre ce temps de solitude pour rencontrer le cœur de Dieu. Nous avons tous une mission incroyable en tant que chrétiens, en tant que baptisés. Notre mission, nous le savons depuis le jour de notre baptême, même si peut-être nous l'oublions aussi trop souvent, c'est de faire vivre l'Église. Mais l'Église sans vous est désertique. L'Église sans vous est triste. Lorsque j'ai célébré la messe pendant un mois pour ce dernier confinement devant une caméra, je le faisais pour être en contact avec vous, mais ma tristesse était très bien présente. Parce que même vos visages avec des masques sont des visages humains. Et l'absence de vos visages marquait simplement l'absence d'une église au sens strict. Parce qu'une église qui n'est pas communauté n'est pas une église. C'est à travers nos relations humaines, à travers notre vie quotidienne, à travers nos échanges. Et même si aujourd'hui nous n'avons plus la joie, entre guillemets, de nous dire bonjour sans nous serrer la main ou sans nous faire la bise, nous sommes invités à sans cesse, à temps et à contre-temps, malgré ce confinement, malgré ce Covid, malgré cette pandémie, à être sans cesse des témoins de Dieu, des témoins de Jésus, et à témoigner sans cesse de cette humanité qui nous fait parfois si absente. Nous avons tous besoin d'y travailler, quel que soit notre engagement politique, social, associatif. Nous avons tous besoin d'y travailler pour faire naître, en ces temps si difficiles, pour celles et ceux qui vivent dans ce pays, pour faire renaître l'espérance. Nous le voyons bien. Devant l'église, les illuminations de Noël attirent les foules. Et ces illuminations de Noël attirent les familles, attirent les enfants qui sont bien absents de nos communautés. Eh bien, nous devons, par notre prière, par notre témoignage, par notre appel, sans cesse leur dire et leur redire que celui qui est mort ici sur une croix est venu les sauver, est venu les libérer de ces illuminations qui sont parfois trop froides. Amen. Confessons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Adressons notre prière à Dieu le Père qui console son peuple en tout temps. Dieu notre Père, nous te prions. Viens avec nous.
chemin du Seigneur, les missionnaires, les prêtres et tous ceux qui œuvrent au service de l'annonce de la foi, Dieu notre Père, nous te prions. Pour les personnes malades, isolées ou en difficulté, et pour tous celles qui se dévouent auprès d'elle, Dieu notre Père, nous te prions. Cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Alain Pasquale, Noël Clérac, Christine Casino et Girardet, Gisèle Gouin. Seigneur, accueille-les dans ton paradis avec tous tes élus, nous t'en prions. Père Saint, toi qui prends soin de ton peuple comme un berger prend soin de son troupeau, exauce nos prières, nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Il y aura deux quêtes ce week-end, la première pour la paroisse normalement, la deuxième pour le chauffage de l'église. Merci. Des églises. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos bonnes offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. À toi, Père très saint, Dieu éternel.
par la Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, nous confions plus particulièrement M. Maurice Pialot, malade. Souviens-toi de lui, Seigneur. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Combe et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout, fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant, en te rendant grâce. Il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. » Oh.
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant d'ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs. Souviens-toi d'Antoine Domenech, de Marie-Thérèse et Robert Durand, d'Alain Pascual, de Noël Clérac. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sommes jugés sur le mérite, mais en attendant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne.
donne ma paix, ne regarde pas ton péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. De communion, je vous invite à rester à votre place. Aristide et moi, nous viendrons vous apporter la communion. Si vous ne désirez pas communier, je vous invite à vous asseoir, que ce soit plus simple pour nous. Merci bien. Thank you.
toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et contemple la joie qui te vient de ton Dieu. Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques informations, vous avez le Stella Maris qui vous a été distribué la semaine dernière, vous pouvez le récupérer si vous ne l'avez pas. À l'intérieur, vous avez vu qu'il y avait encore le doublement des messes pour le deuxième dimanche, pour ce dimanche-là, et pour le week-end prochain, bien entendu, en raison des nouvelles jauges sanitaires, on a besoin pour l'instant de doubler les messes. Ce matin, nous avons une réunion de prêtres pour essayer de préparer Noël. Nous sommes comme vous dans l'expectative. On ne vous donne pas encore les renseignements sur ce que nous avons préparé, mais bien entendu, nous avons bien conscience qu'à Noël, la jauge que nous avons aujourd'hui ne pourra pas être respectée. Donc sans doute, nous dédoublerons encore les messes de Noël, les messes de la nuit. Pour l'instant, on ne vous dit rien, parce qu'on attend le 15 décembre, puisque le 15 décembre, normalement, il y aura des nouvelles consignes. Autre information, je tenais à vous le signaler, le mercredi 16 décembre à 19h, il y aura une soirée dans de l'avant, pas en présentiel, parce qu'on n'a pas le droit de s'en réunir, mais en visioconférence. Donc regardez vos mails, demandez-moi un mail si vous n'avez pas reçu de mail. Normalement, des mails vont circuler avec une adresse pour pouvoir se connecter en visio. Ce temps de conférence sera une petite méditation du Père Alain-Marie. Et puis ensuite, il y aura une soirée qu'on appelle carte blanche, c'est-à-dire toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser. D'y répondre autant que possible dans le temps imparti d'une heure. Donc on peut être jusqu'à 100 connectés en même temps. Donc ça peut être le moment de vivre une expérience, vous allez voir, enrichissante, parce que la visioconférence, il faut s'écouter. On ne peut pas faire d'aparté. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant pour ça. Et parfois, ça avance plus vite que si on était en présentiel, comme hélas, on peut dire aujourd'hui. Voilà. Autre et dernière information, je crois que c'est tout. Voilà. Oui, les confessions pour la Noël sont déjà annoncées. Simplement, celles de la Grande Motte vont changer. Ce sera de 9h à 11h du matin. Sinon, à Pérol, ce sera le mardi 22 de 18h à 18h30. Et à Carnon, le lundi 21 de 18h à 18h30. Vous pouvez porter un récit dans votre prière parce que, je vous l'ai dit, il était dans une cocotte minute pendant un mois et demi au séminaire. Vous savez, quand vous mettez 50 bonhommes dans un séminaire pendant un mois et demi sans sortir, au bout d'un moment, ça boue un petit peu. Alors, il est content de faire tomber la pression. Vous pouvez le porter dans la prière parce qu'au séminaire, il y a eu la moitié du séminaire qui a été covidée. Voilà. Et Aristide, il est passé à travers. Donc, c'est déjà un exploit avec l'autre moitié. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Et nous pouvons prendre le dernier chant. Venez, divin.